octobre 1974. Bonjour, Madame Running. Salut, Jules. On va m'enlever mon 4 aujourd'hui. Oh, bravo, je suis contente pour toi, chérie. 1, 2, 3, j'irai au 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, j'irai au 7, 4, 5, 6. On pourrait peut-être aller jouer dans le parc si tu veux tout à l'heure. C'est matinale aujourd'hui, Marie. Oui, j'ai trouvé une nouvelle place, Joe. Où ça? C'est à la laiterie, à mi-temps seulement, gâteaux. Comptabilité. Et qui va te garder Luc pendant ce temps-là? C'est ma mère qui va s'occuper de lui. Oh, je veux des gâteaux. Oh, chérie, je te l'ai dit, il n'y en a pas ici. Qu'est-ce qu'il a à la main, notre gentil petit canaillou, là? Il s'est brûlé la cuisinière, le pauvre. Je veux des gâteaux. Chérie. Si, je crois que j'en ai encore, Marie. Oh, non, Joe, il y en a plus. Ils sont rangés dans le rayon des céréales. Non, Joe, j'ai regardé, il n'y en a plus du tout. Attends, je vais gâteaux, voir. Maman. Joe, viens de le chercher, c'est tout. Tiens, qu'est-ce que je disais? Joe, c'est qu'est-ce inutile. Que c'est que ça? Ils sont pourtant bien là, visibles. Là, je trouve qu'il en mange trop. Tu as tort, c'est très bon. Regarde, il y a plein de vitamines, de minéraux, du sucre. C'est très énergétique, non, c'est excellent pour sa santé. C'est pas bon pour lui. Comment tu t'appelles? Le sucre n'a jamais fait de mal à personne. Luc. 72 ans dans quelques jours et pas un seul signe de vieillesse. Oui. Quoi? Non, rien du tout. C'est un peu cher. J'ai pas les moyens. Ce que je reçois du gouvernement, c'est un peu. Je dois limiter les achats. Mon Dieu, les sous. Ah oui, ça, je comprends très bien, les sous. Ça me rappelle ma jeunesse pendant la crise. Un bon matin, on a ouvert le porte-monnaie et il nous restait tout juste 53 cents. Ça valait pas grand-chose à l'époque. Oui, ma mère avait bien du souci. Mon père était mort. L'année précédente. Aussi, elle a appris comment élever correctement sa famille sans rien ni personne pour l'aider. Et où est-ce qu'il est passé? J'en sais rien. Du magasin tout seul, tu l'as vu? Il était pas tout seul, il était avec la dame. Qui c'était? Dis-moi qui c'était! Je sais pas, il est allé avec elle. Tu la connaissais, Gilles? Non. Dis-moi, chérie, tu es certaine que c'était Luc? Je l'ai vu, il était dans la voiture et ils sont partis. Quel genre de voiture, quelle couleur? Je sais pas. Oh mon Dieu! Bonjour, je suis Emma Linston, je suis sa mère. Inspecteur Bender. On a envoyé un avis de recherche. Et sa photo va paraître dans tout l'État, tout le monde sera prévenu dans quelques heures. Est-ce qu'une personne vous a réclamé ces derniers temps la garde de cet enfant? Non, qu'est-ce que ça veut dire? Son père, par exemple. Il s'est écrasé en hélicoptère dans la région de Saigon. Ou alors peut-être la famille de son père pour une histoire de jalousie. Le père de Luc était fils unique. Sa mère est partie pour Tampa depuis 2 ans environ. Nous n'avons aucune nouvelle d'elle. Elle n'a jamais été intéressée par son petit-fils. Je ne vois pas pourquoi cela changerait maintenant. Oui, nous allons quand même vérifier. Comme vous voulez. Gilles nous a très bien décrit la femme qui a emmené le petit. En ce moment, elle est chez un psychiatre, un hypnotiseur. Il devrait l'aider à se souvenir un peu plus. Si cette femme est quelque part dans la région, ou même n'importe où dans le Middle West, nous la retrouverons. J'ai un petit gars comme lui, moi aussi, Madame Browning. Je comprends très bien ce qu'on peut ressentir. Faites-moi confiance, il vous reviendra, ça je vous le promets. C'est Bob. Bonjour, cher voisin. Marie! C'est inutile que tu restes assise près du téléphone. Viens regarder la télé avec moi. Après 10 ans, on va inviter vers 15h, d'accord?
Ça n'est pas en restant tout le temps assise ici que le téléphone sonnera plus souvent. Arrête, bon sang, je sais ce que tu as dans la tête. C'est pas comme ça qu'on réagit dans notre famille. Tu dois te battre contre tes idées noires, Marie. Essaie de te rappeler les paroles de l'agent de police. Il y a plein d'enfants enlevés. On les retrouve toujours. Et si on ne le retrouvait pas? Ça suffit. Je vais chauffer du chocolat. Tu en veux une tasse? Tu as exactement la même attitude qu'avait ton père. Tu manques de volonté. Tu es trop émotive. Il faut savoir affronter la vie, je t'assure, ma fille. Tout va s'arranger, ils vont le retrouver. C'est ça que tu dois te mettre dans la tête. Oh. Excuse-moi. Je ne suis qu'une vilaine vieille bonne femme radoteuse. C'est ma faute, oh, non, tout est ma faute. Vrai. Je suis une mère incapable, je sais, Luc, pour avoir honte de moi. Je t'en prie, chérie, arrête. J'ai laissé mon petit tout seul. Marie, c'est ma faute si on l'a enlevé, j'ai toujours été une mère maudite. Marie. Toi aussi, tu le disais, je ne faisais pas non, assez chérie. Pour bébé. Chérie. Il est tombé dans l'escalier le mois dernier, je ne le surveillais pas. Voyons, Marie. C'était ma faute. Chérie, tu ne peux pas tout regarde reprocher. Ça. Regarde ce que j'ai laissé traîner. Oh. Il aurait pu se blesser avec, et ça serait ma faute. Tu vois, je suis indigne d'être une mère. Mon Dieu. Il est mort, il est parti, non. Je l'ai tué. Donne-moi ça, allez! Seize ans plus tard. Dan ? Oui ? Dan ! Quoi ? Viens voir, je crois que cet imbécile va lui demander de l'épouser. C'est une allusion personnelle ou une simple observation ? Hé, oh. Hey, c'est quoi ça ? Non, hey. Un homme libéré comme moi se fait agresser par une shootée du roman à l'eau de rose ? Une shootée du roman à l'eau de rose ? Une shootée du roman à l'eau de rose ? Peut-être. Mais avec la tête bien pleine. Ouais, de pop-corn. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est à toi de deviner. Est-ce que c'est un terrible monstre? Tu es Santa Claus? Non. Tu as gagné, je donne ma langue au chat. C'est moi. Oh, Jason, je ne t'avais pas reconnu. J'ai eu très très peur, tu sais. Est-ce que tu es venu me voir tout seul? Bah avec ma maman en voiture. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Entre, mon chéri, je vais te donner quelque chose. D'accord. Viens, il fait froid dehors. Reste là, je reviens tout de suite. Tiens, regarde. J'en ai déjà un truc comme ça. Oh, mais est-ce qu'il a cette couleur-là? Non, l'autre, il est blanc. Alors, c'est super joyeux, Halloween. Tu dis à maman qu'elle vienne me voir bientôt, d'accord? D'accord. Va, mon petit cœur. Au revoir. Au revoir. Va vite au chaud. Oui. Merci, Marie. Dis-moi ce que tu as eu, Joseph. Tu as dit merci? On va se regarder la suite? Ouais. Voyons quel genre de programme on a. Tu choisis un bon petit film? Une émission culturelle? De la musique? Ou un cours d'éducation sexuelle? Non, rêve. Tu veux m'épouser? Je te l'ai déjà dit, chérie, c'est non. Je veux un tas de gamins. Et je te veux, toi. Tous donner le mot ce soir. Je me demande ce que je vais lui offrir cette fois.
vous voulez. Hey, bonsoir, maman. Je m'appelle Marc, je suis ton fils. Non. Vous faites erreur. Allez-vous-en. Allez-vous-en! Hey, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Je voulais pas vous effrayer, je vous jure. Je suis son fils. Et si vous croyez drôle, c'est raté. Je suis venu jusqu'ici en stop. Je viens de l'Idaho. Comment as-tu trouvé cette adresse? La famille qui m'a élevé. Ils avaient gardé ça. Des renseignements sur moi. Tenez. Je sais pas pourquoi ils les ont gardés. Un garçon de 3 ans a disparu. J'ai été complètement chamboulé quand je les ai trouvés. Tiens, reprends-les. Prends ça. C'est peut-être pas une très bonne idée, en fin de compte. Je m'en vais. Non, attends. On va en parler. Ce qui s'est passé avant mes 6 ans, je m'en souviens pas trop. J'ai été élevé par grand-mère et grand-père. Ils disaient qu'ils étaient mes grands-parents. C'était dans un ranch dans l'Idaho. Des gens très sympas, vraiment. Ils s'appelaient Woodward. Grand-père est mort, j'avais 14 ans. Et grand-mère, quelques mois plus tard. J'étais venu mettre de l'or dans le grenier. J'ai sorti toutes les affaires et j'ai trouvé ces trucs-là. Je sais pas pourquoi ils les ont pas jetés. Ils ont été chouettes avec moi, tu sais, maman. Enfin, je veux dire, que t'as pas à t'inquiéter. Ils m'ont pas battu, rien. Ils étaient très gentils. J'ai vraiment eu la plus belle enfance qu'un gosse peut souhaiter. Comment ils t'ont eu? Je sais pas. Ils m'ont raconté que mes parents avaient eu un accident quand j'avais 3 ans. J'ai aucun souvenir à part le ranch. Il a dû être hypothéqué après la mort de grand-père et ensuite tout a été vendu. J'avais plus grand-chose à faire là-bas. Je suis pas venu ici pour vivre à tes crochets, maman. Je suis passé pour te dire un petit bonjour et après je repars. J'ai décidé d'aller à New York. Je veux devenir artiste. Je vais prendre des cours de dessin. T'es pas mon père, je crois. Non. Luc avait 10 mois quand son père est mort. Il s'appelait Luc, lui aussi. Oh, je suis désolé. Tu as d'autres preuves à part ces coupures de journaux? Oui, j'ai quelques petits souvenirs. Je me rappelle que je suis tombé une fois. C'était dans un escalier, certainement. Et que je me suis réveillé dans une chambre toute blanche. C'est très flou, je devais pas être bien grand. 2 ans. Et puis il y a ça. Je sais pas comment je l'ai eu. Cette cicatrice, c'est une brûlure que tu t'es faite en posant la main sur la cuisinière allumée. Tu voulais quelque chose dans le placard et je ne faisais pas attention à toi. J'ai aussi un petit mot qui me revient, maman. Woody, quelque chose comme ça. Woody? Ouais, Woody. Ouais. Woody. C'était ton petit ours, je l'ai toujours gardé avec moi. Terriblement. Je me suis sentie irresponsable de tout ce qui avait pu t'arriver avec moi. J'étais sûre que t'étais mort. Et que tu avais beaucoup souffert. Non. Non. Et je me suis sentie fautive. J'avais tout raté. Que ce soit... avec toi ou avec ton père. Oh, ton père, c'était un homme tellement courageux et attentif. Et moi, je n'étais qu'une femme stupide et tellement négligente. Voilà. Mais tu es
Tu es vivant et tu... Oui. Tu es ici. C'est vrai. Et tu vas très bien. C'est vrai, je suis près de toi et je vais bien. Oui. Ils ont été très bons avec moi, rassure-toi, maman. Grand-père, grand-mère ont été merveilleux. J'ai fait des grandes balades avec mon cheval. J'ai eu un tas d'animaux et aussi beaucoup d'amour. Tu n'avais aucune raison de t'inquiéter pour moi, maman. J'ai été très heureux. Luc est revenu. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu grand, mais tu diras quand même merci à Dan. D'accord. Alors c'est mon père? Oui. Ah oh, ouais. Oui. C'est quoi cette chose-là? Oh, eh bien, il a obtenu cette chose-là pendant la guerre. Et celle-là, elle est venue plus tard. Il est mort comment? En sauvant des camarades. Ouais. Au niveau de la ressemblance, c'est pas franchement évident. Non! Tu as hérité de ses yeux et de son sourire. Oh! Boudy? Boudy. Ah. Ah. Hey, salut Boudy. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Maman, est-ce que je peux te demander une faveur? Borde-moi. Allez, viens, maman, borde-moi, borde-moi. D'accord, dans ton lit, allez, allez. Ah, oh, je crois que j'ai grandi un petit peu. C'est pas grave, on va te le changer. T'embête pas pour moi, maman, je vais pas rester très longtemps. Et maintenant, je veux que tu me racontes papa et toi. Tu l'as rencontré comment? On s'est connus au collège. Il était en deuxième année et président des élèves, et moi, j'étais en première année. On avait un cours ensemble. Et puis, on est tombés amoureux. Quand tu t'es mariée avec lui? Environ 6 mois avant que tu viennes au monde. Non, c'était son idée. Je ne l'ai pas forcée. Est-ce que tu l'aimais? Oui, je l'aimais très fort. Est-ce que tu m'aimes aussi? Hé, hey, te voilà! On dirait qu'il se souvient de moi. Je sais que tu ne le crois pas, Dan. Il y a des tas de gosses qui peuvent se souvenir d'être tombés dans un escalier. Je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel à ça, Marie. Et sa brûlure aussi. Sa main est vraiment très marquée. Réfléchis, c'est assez invraisemblable, cette histoire. Dan, il avait 2 ans et demi quand il s'est brûlé. Tu sais que sa peau était très fragile, ça laisse des traces. Et Boudy, il peut avoir eu ce renseignement par hasard. Peut-être qu'on en parlait dans les coupures de journaux. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Est-ce que tu serais jaloux? Mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Si un autre homme entre dans ma vie, et voilà comment tu réagis. Arrête, Marie, j'essaie d'être impartial, c'est tout. Je peux me poser des questions, non? Ta réaction est bizarre, mais... Arrête. On peut peut-être retrouver ces empreintes, ils les auront à l'hôpital. C'est un truc que tu peux Dan, vérifier. Il y a quelque chose que tu oublies. C'est mon petit garçon. Et ça, je le sens très fort. C'est pas évident pour toi de croire à l'instinct maternel, c'est sûr, mais c'est une chose qui existe. Dis-toi que s'il n'était pas mon garçon, je le sentirais aussi. Thank you.
Tu connais Dan depuis longtemps? Oh, ça fait 9 mois. Son bureau de Minneapolis l'oblige à venir en Californie. Il a fait une affaire avec la laiterie où je travaille et c'est comme ça qu'on s'est connus. Il est souvent ici? Que les week-ends. C'est pas tout près, Minneapolis. Tu sais, ce serait dur pour lui de rentrer tous les soirs. Faut pas lui en vouloir. Il a vécu une épreuve très difficile il y a quelque temps. Son fils de 16 ans a été entraîné dans une histoire de drogue. Il lui mentait sans arrêt. Et puis il a sauté par la fenêtre devant ses yeux. Dan s'est reproché pas mal de temps de ne pas l'avoir aidé. Il disait qu'au lieu de le traiter de menteur, il aurait pu essayer de le comprendre. Ne lui dis pas que je te l'ai raconté, hein? T'en as eu pas mal? Quoi? Des autres mecs. Après papa. Non. Aucun autre avant Dan. C'est très bon ici. C'était l'endroit que tu préférais. Ah oui, t'es venu avec papa aussi? On a fêté nos fiançailles ici et l'annonce de ta venue. Vous prendrez autre chose, Marie? Oh non, Milo, merci. Tu es venu faire tes petites emplettes aujourd'hui? T'as deviné, ce jeune homme a besoin de vêtements neufs. Oh, vous êtes son nouveau petit ami. Milo, je te présente Mark Woodward. Mark, voici Milo. Bienvenue chez nous. Merci, monsieur. Mark nous arrive de l'Idaho. Tiens donc, tu connais des gens dans l'Idaho, toi? Je suis allée au collège avec la mère de ce garçon. Et vous êtes de quel coin? Oh, un petit village perdu, vous devez pas connaître. Ah, surtout si j'ai grandi là-bas, alors. Ah oui, où ça? Dans la région de Boise. Moi, j'étais plus au nord. Ah oui, quelle ville? Emerald City. Ah, ouais, c'est un nom qui me dit quelque chose. Ah, il y a un joli petit coin dans cette région. Tu diras le bonjour de ma part au champ de patates. Merci, Milo. Mens pas tout, non. Je paye. Non. Pas question que tu fasses des dépenses pour Marc, moi. Je j'ai regrette, de quoi je faire, tiens. Tu sais. J'ai rien dépensé pour toi pendant 16 ans. Je suis tellement contente de pouvoir le faire maintenant. On a vécu tellement proche l'un de l'autre. Pendant tout ce temps où tu étais en moi. C'est une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Être aussi proche de quelqu'un. Tu faisais partie de moi, tu grandissais en moi. Tu étais un petit étranger qui vivait dans mon corps. Et que j'adorais. Sans même t'avoir rencontré, sans savoir qui tu pouvais être. J'aurais donné ma vie pour toi. Et puis, quand ton père a été tué, tout a été brisé. Ma mère disait que c'était ma faute si tu criais tout le temps. J'ai cessé d'être une mère quand ton pauvre père a disparu. C'est là que ça s'est passé? J'étais pas revenue ici depuis 16 ans. Oui. L'endroit a bien changé. Luc? Monsieur Woodward? Oui, c'est moi, oui. Rassurez-vous, elle va bien. Elle a subi une forte émotion, c'est tout. Et dans son état, ça n'est pas recommandé. Comment ça, dans son état? Oui, elle va être de nouveau mère. Je suis étonné qu'elle ne s'en soit pas aperçue. Ça fait déjà au moins 7 semaines. Superbe. Félicitations, petite mère. Ne dis rien à Dan.
Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas le temps de te préparer ton petit déjeuner, Luc, désolé. Oh, c'est pas grave, man, je me suis débrouillé. Oh, je vois, ces gâteaux ont toujours le même succès, ça n'a pas changé depuis 16 ans. Bon, écoute, je vais te donner mon numéro de téléphone au boulot. Si tu as besoin de quelque chose, tu me téléphones, d'accord? N'hésite pas, hein, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'essaie de trouver un petit job. Faut que je gagne un peu d'argent si je veux vivre à New York. Oh, Luc, non, pas tout de suite. Tu seras même pas resté une semaine ici. Tu restes jusqu'à Noël au moins. Non, non, Noël c'est beaucoup trop tard. Je veux partir avant. Fin novembre alors. Je serai heureuse que tu restes, Luc. Si tu veux du travail, je suis sûre que tu trouveras un tas de choses à faire dans la région. Marc. Quoi? Moi, je m'appelle Marc. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marc, joyeux anniversaire. Je suis un garçon verni, c'est génial, on va me fêter deux anniversaires maintenant. Faudrait peut-être que je fasse gaffe aux flammes, ça brûle. Ouh, wouh, Marc. Hé. En une seule fois. Tu as oublié ton vœu? Non. C'est fait, Dan. Tiens. Tu peux remercier Dan pour le champagne. Merci, Dan. Merci, Dan. Et merci, maman, pour ton cadeau. Oh, ton père aurait été content de te l'offrir. C'est lui que tu dois remercier. Papa, au cas où tu m'entendrais, je t'aime très fort. La première fois qu'il t'a vu, il était en permission. Juste 2 mois avant qu'il soit tué. Mais une chose était tout à fait claire, il t'aimait du fond du cœur. Oh, t'étais un petit garçon tellement mignon. Oh, mais j'ai des photos. Dan, je crois que je te les ai jamais montrées. Voilà. Oh, tiens, c'est ta grand-mère, là. Elle est à Santa Fe. En général, elle passe Noël avec moi. On lui fera des surprises, d'accord? Oui, c'est toi. Ton père. Bon gars. Jeune homme. Oh, très joli marié. Merci. C'était un grand jour. Ah, c'est toi, là. Tu as toujours adoré l'eau. Je t'emmenais souvent te baigner au lac derrière la maison. Tu voulais jamais qu'on s'en aille. Tu aimes nager? J'adore ça. En tenue de baseball. Tu ne lui as rien dit à propos de sa marque sur le ventre? Oh. C'était une toute petite marque de naissance. Avec le temps, elle disparaît. Il l'avait encore à 2 ans. Je t'en prie, j'allais pas lui dire d'enlever son pantalon à 19 ans. Puisque t'es aussi curieux, demande-lui, toi. Faudrait peut-être aller à la police. Ça serait intéressant qu'ils vérifient ce qu'ils nous racontent. Si c'est vrai, ça changera rien. Tu sais ce qui se passera? Il y aura plein de journalistes qui vont s'emparer de la nouvelle. Ils poseront des tas de questions. Il a été bien soigné. Et très bien élevé aussi. J'en ai rien à fiche de savoir qui l'a enlevé. Et s'il avait menti? Je préfère rester sans le savoir. Salut. Salut. T'as bien dormi? Ah oui, très bien. J'avais envie de prendre un peu l'air. Tu cours tous les matins? Quand je peux, je le fais. Je deviens vieux. À mon âge, on a plutôt envie de dormir à cette heure-là. Dan, pourquoi tu ne me crois pas? D'après toi, pourquoi je ferais tout ça si elle n'était pas ma mère?
Elle est pas riche, Dan. J'ai pas l'intention de lui piquer son fric, tu sais. Non, j'ai envie d'être aimé. Elle le veut aussi, Dan. J'irai pas jusqu'à prétendre que ce sera aussi chouette et aussi simple tout le temps. Mais c'est normal, ça. Tous les parents et les enfants ne s'entendent pas à la perfection. T'es bien placé pour le savoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Elle m'a dit que t'as un monde, toi aussi. C'est vrai, non? T'en as un? Dan, je suis pas en train de te dire que je suis pas son fils. Je veux que tu saches que j'ai besoin qu'elle me donne l'amour qu'on m'a jamais donné. Y a rien de mal à ça, hein? Attends une minute. Tu disais que tu avais été aimé. Ta grand-mère, ton grand-père, que t'avais vécu une petite enfance géniale. C'est vrai? Que c'était des saints, trop beaux pour être vrai. Ils l'ont été. Ils le sont encore. Inspecteur Bender, Dan Vance, est-ce que vous pourriez me rendre un service ? Excusez-moi. Chef, je pars déjeuner, vous voulez quelque chose ? Oui, un énorme hamburger avec des frites et sans moutarde, c'est d'accord. Et surtout, n'oublie pas les cornichons. Cornichons. Que puis-je pour vous ? Ma fiancée habite tout près de Groves Mill, à environ 25 km d'ici. Vous vous souvenez peut-être d'elle, Mary Browning. Vous savez, je m'occupe de toute la région, monsieur Vance. Je connais que les gens qui ont fait de graves bêtises. Son petit garçon a été kidnappé il y a environ 16 ans dans une épicerie. Oui, ça, je m'en souviens. Elle a eu des informations. Il serait en ce moment dans l'Idaho, c'est ce qu'on m'a dit, du côté d'Emerald City. Qui vous a dit ça? Une personne nous a appelé il y a quelques jours. Et qu'est-ce qu'elle disait? Qu'il a été élevé dans une ferme dans la région par un couple qui s'appelait, comment, Woodward. La vieille dame était veuve depuis quelques mois. On a demandé plus d'informations, mais la personne a raccroché. Voilà. Cette personne vous a fait une mauvaise plaisanterie, monsieur Vance. Désolé, mais il n'y a pas d'Emerald City dans l'Idaho. Hé, Marc! Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit conte de fées, pas mal réussi. Tu me montreras où se trouve Emerald City sur la carte. Dan! Oui. Ça va? Tu te sens mieux? Ouais.
Maman dit que cette musique te fera du bien. Ça calme, il paraît. Merci de m'avoir sauvé la vie, Dan. Tu sais, Emerald City, c'était une version fantaisiste. Grand-mère, grand-père, j'ai inventé. C'était mon fantasme, Dan. Ce que j'ai vécu, c'est tellement moche qu'il n'y a personne qui me croirait. T'en parleras pas à maman, d'accord? Tu veux la preuve que c'est bien moi? Pourquoi tu ne l'as pas montré plus tôt? C'est assez embarrassant, Dan. C'était particulièrement embêtant de montrer cet endroit-là à maman. Dan, j'aimerais que tu me parles de ton fils. Tout à l'heure, c'est à lui que tu pensais quand tu m'as rattrapé, c'est ça? C'est moche qu'il soit tombé. C'était un chouette gars. J'ai pas été un père génial. Il est mort. Et il me manque, c'est tout ce qu'il y a à dire. Tu sais, Dan, je suis censé pas te le dire. Elle veut te faire la surprise, je crois. Mais tu vas avoir une autre chance. Tu vas bientôt être papa encore une fois. Tu sais... Ouais. Mais laisse-la te faire la surprise, tu veux bien? Elle t'aime très fort, Dan. Et moi aussi, je t'aime. La vache, ça a été à deux doigts. On est quitte maintenant. Oh, ça sort une bonbon. Alors, comment c'est, Marie? Parfait, merci. Une cuisse, s'il te plaît. John Clayton a téléphoné aujourd'hui. La voiture de sa nièce a dérapé sur la route. Elle a le bras cassé. Oh non. Oh ouais, il fait un temps de chien. Quand il fait ce temps-là, je commence à regretter la Californie. Dis-moi, elle est épaisse, la glace, sur le lac? J'en sais rien, peut-être bien 15-16 cm. Ah, génial. Dan, ça te dit d'aller pêcher? À travers la glace? Ouais. T'as déjà essayé, Dan? Jamais. C'est très chouette, je t'assure, et en plus, le matériel est dans la cave. C'est du matériel qui appartenait au grand-père de Luc. Alors, tu sais pêcher à travers la glace, toi? Ouais, c'est pas sorcier. Qu'est-ce que t'en dis, Dan? Pourquoi pas? On fait la prière, d'abord. Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture et pour cette journée. Et pour cet immense bonheur que tu m'offres aujourd'hui. Et pour Dan, qui a eu le courage de me sauver la vie. Et pour Marc, le fils de Marie, pour son retour parmi nous. Amen. Et pour le nouvel enfant qui va venir. Je comprends pas où est le problème. C'est comme si je l'avais découvert tout seul. C'est bien moi son père. Bien sûr. Bon, génial. Je suis super content. On va se marier alors. J'ai pas l'intention de garder ce bébé, Dan. J'y réfléchis pendant tout le week-end. J'ai déjà pris un rendez-vous. Je ne veux pas que tu fasses ça. Je te donne pas le choix. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas de ce bébé? Je suis trop vieille. Oh, je t'en prie. Écoute, on va se marier, d'accord? Je ne veux pas me marier, Dan. Ah, d'accord. J'élèverai mon gosse tout seul. Non. Je n'aurais plus la force d'être enceinte. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais une horrible épouse, une horrible mère. C'est ce que ta mère te disait. Non, tout le disait. Moi et ma mère et Luc
et ce que je faisais, et ce qui s'est passé par la suite. J'ai réussi à m'en sortir maintenant. Et le seul moyen pour moi de rester forte, c'est de dire non. Je ne peux pas me retrouver dans cette situation. Ça serait trop dur. Voilà, ça y est. J'ai appris ça dans le New Hampshire. C'est là que j'habitais en fait. Je vivais chez un vieux bonhomme. On était une tripotée de garçons, tous des voleurs et des délinquants. La seule mère que j'ai eue, c'est une prostituée. Elle venait chez le vieux bonhomme de temps en temps. Elle avait été élevée à la dure. Et elle nous emmenait sur le lac en plein hiver, fallait pêcher. Elle a été tuée par son barbeau, juste devant nous. Ce genre de pêche, c'est très facile. Il suffit d'attendre que le poisson arrive. Sans geler, c'est ça le plus dur. Ils sont tous persuadés qu'il n'existe pas un seul détraqué pour venir les pêcher. Mais nous deux, on est un peu détraqués, tu crois pas, Dan? Je vous apporte du café. Tiens, prends la tasse. Bonne idée. Fais attention, c'est très chaud. Ça va me chauffer les mains. Oui, je vais faire un petit déjeuner très reconstituant à la maison, d'accord? Une montagne de crêpes. Chouette. C'est pas la peine, on aura une super friture dans quelques minutes, moi. Oh. Bonne chance. Allez, au boulot avant d'attraper la crève. Je te laisse faire des appâts, hein. Chacun pour soi. Amène-toi, Dan. Allez, viens m'aider. Un gang de voleurs, hein? Tué par son barbeau. Remercie Charles Dickens, une vraie mine d'or, ces histoires. Allez, viens, Dan. Pourquoi tu m'as encore menti? C'est plus facile que de raconter la vérité. Je te demande d'essayer. C'est une trop longue histoire, Dan. Pas grave, on a toute la journée. Laisse tomber. Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que t'as dans le crâne, Marc, hein? Écoute, si tu veux pas me le raconter, c'est à la police que tu le feras. Oui, c'est vrai. Je suis allé les voir l'autre jour. Je leur ai parlé de toi. Maintenant, t'arrêtes ton cirque! Si tu refuses de répondre à mes questions, c'est à eux que tu répondras, d'accord? Je suis désolé, Dan. Vraiment désolé. Rien à faire. Faut le laisser. Laisse-le, maman. Laisse-le. Je suis avec toi.
Assieds-toi. Assieds-toi. Voilà, ça y est, maman. Ça y est. Je vais te réchauffer. Appelle la police. Ah oui. Ça doit être coupé, j'ai pas de tonalité. On va y aller en voiture. Non, non, maman. Toi, tu restes ici, tu restes ici. Imagine qu'on se fasse bloquer par la tempête. Je préfère y aller seul. Tiens. Tiens, bois ce truc-là, ça va te réchauffer. Allez, bois. Non. Allez, allez, bois. Bois, mange, t'en prie. Je sais ce que tu penses. C'est ma faute, tout ça, c'est ma faute. C'est à cause de moi, si Dan s'est noyé, c'est à cause de moi. Non, voyons, c'est pas ta faute. Ma, s'il te plaît, mange, je veux que tu restes ici. Et je veux que tu... Je veux que tu boives ça. Après, tu vas monter et tu vas mettre des vêtements secs. Ou plutôt ta jolie chemise de nuit. Allez, bois. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bien. Oui, vous pouvez me passer Klondike 53-545. Je n'arrive pas à obtenir la communication. Je suis désolé, la ligne a dû être coupée, il n'y a plus rien. Merci. Assoir, Fred. Qu'est-ce qu'il y aura à manger? Tu as le choix, il y a de la dinde ou de la dinde. Je vais peut-être prendre de la dinde. Phil. Quoi? Tu vas à Grover's Mill? Oui. Je voudrais que tu ailles voir Madame Browning.
C'est toi, maman. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pourtant dit de te mettre au lit. Il n'y a plus d'électricité dans toute la région. Maintenant, va te coucher, tu vas prendre froid. J'ai dérapé sur la route à 1 km d'ici. La voiture est dans le fossé. C'est pas grave. Mais si je veux aller à la ville, il faut que j'y aille à pied. Maintenant, c'est trop tard. Il va faire nuit. Il n'est pas question que je te laisse ici toute seule. Il n'a pas souffert, tu sais. L'eau glacée a dû l'engourdir complètement. Il était triste à cause de votre dispute d'hier soir. Et puis, il avait bu trop d'alcool. Alors, il a voulu boire un peu de ton café, il s'est brûlé. Il a tout renversé sur lui, il a glissé, il est tombé. Et pourquoi vous vous êtes disputé, au fait, hier? Moi, je te dis, moi, ça l'avait drôlement remué. À ta place, moi, j'aurais essayé de discuter avec lui. Je l'aurais pas laissé comme ça. Tu veux dire que c'est ma faute? Ah, non. Écoute, je joue pas les parano, hein. C'est un accident. Je dis simplement que si le café avait été moins chaud, s'il avait pas bu autant d'alcool, si t'avais eu une petite discussion avec lui, les choses auraient pu être différentes. Mais tu peux rien faire contre ça, c'est la fatalité, tu peux pas lutter. C'est comme avec grand-mère et grand-père. Il y a des tas de choses que j'aurais peut-être pu faire. Mais là aussi, ça a été un accident. Je croyais que tu avais dit que ton grand-père était mort quelques mois après ta grand-mère. J'ai dit ça? Non. Tu vois, on était 3 enfants. John, c'était le plus âgé. Après, c'était Matt. Il me disait qu'il se souvenait de leurs parents. Et moi, je croyais que j'avais toujours habité là. Grand-mère adorait les petits garçons. C'est pour ça qu'elle nous a enlevés. T'aurais vu, elle était tellement heureuse avec nous trois. Le problème, c'est que les petits garçons ont grandi. Grand-père buvait beaucoup, et puis il nous battait. Mais t'as peut-être pas très envie que je te raconte ça. On avait le droit de voir personne. Du coup, il n'y avait pas moyen d'aller à l'école. Et John disait qu'il était bien plus heureux dans son autre famille, qu'il était plus aimé. Évidemment, moi, je pouvais pas savoir si j'étais vraiment malheureux puisque je me souvenais de rien. Il disait toujours qu'on était leurs petits-enfants, mais John, lui, il savait que c'était pas vrai. Un jour, il est allé fouiller dans le grenier. Et il a trouvé des articles de journaux que grand-père avait cachés. Il leur a dit, c'est terminé, je vais à la police. Et grand-père lui a donné un coup de poing. Et il l'a mis KO. Et ensuite, ils ont dit à Matt et à moi que John s'était sauvé et qu'on ne devait plus jamais en parler. Et qu'on ne devait plus non plus aller jouer dans le cellier. Mais on y a été. Et c'est comme ça qu'on a su où il l'avait enterré. Matt a voulu se sauver, mais grand-père l'a rattrapé, et moi, il m'a enfermé dans le grenier. Ça m'a pas empêché d'entendre les hurlements de Matt. Et la nuit, j'ai trouvé une boîte d'allumettes, alors j'ai mis le feu au grenier. Et après, il y a eu les pompiers, mais les grands-parents étaient morts. Tout ça à cause de moi. Le jour où j'ai pas rigolé non plus, ça a été quand ils m'ont mis dans le village d'enfants. Oh, t'aurais vu tous ces gosses, comme ils étaient contents d'être là. Oh, c'est là que j'ai compris ce que j'avais raté. Oh, maintenant, je serai toujours avec toi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Madame Browning est là? Elle se sent pas très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Juste lui poser 2 ou 3 questions, mais je reviendrai demain. Oui, d'accord. Dites, il y a une voiture dans le fossé, là, pas très loin. C'est la vôtre? Ouais. Il n'y a pas de blessé, au moins? Non, ça va. Ben, moi, j'ai été obligé de laisser la mienne à 2 km d'ici et de venir à pied. Salut. Bonsoir. Attendez, où est-ce que vous allez? Oh, Madame Browning? C'est dans le lac qu'il est. Quoi? Il est tombé dans l'eau glacée. Tu lui as rien maman, dit. Maman, calme-toi. Le courant est coupé, le téléphone ne marche plus. De quoi est-ce que vous parlez? De Dan. Dan est tombé dans l'eau. Calme-toi, maman. Rentre à l'intérieur. Une petite seconde, j'arrive. Je vais vous montrer. Dan était son mari, mon beau-père.
s'est noyée il y a quelques années pendant qu'il faisait une partie de pêche. Elle a toujours dit que c'était sa faute. À chaque fois qu'elle boit un peu trop d'alcool, elle se remet à penser à cet accident. Vous voyez, il n'y a rien. C'est quoi ça? Oh, j'ai fait un trou dans la glace pour pêcher. Vous avez déjà essayé? Ah oui, quand j'étais gosse. C'est pas mal, hein. Vous devriez venir ici de temps en temps, on pêcherait ensemble. Et vous laissez votre matériel, là, comme ça? Non, je vais revenir dès que j'aurai fini de réparer l'électricité. On a fait sauter des fusibles. Dans la cave. Vous savez, tout ça, c'est un peu ma faute. Je devrais pas laisser ma mère boire comme ça. Ah oui. À chaque fois, c'est pareil. Elle perd complètement la tête. Ah, c'est triste, ça. Il est allé chercher du secours, ils vont envoyer une ambulance le plus vite possible. Non, t'inquiète pas, ça va aller, ça va être bientôt Pourquoi fini. Pourquoi tu ne lui as pas parlé de Dan? Je lui ai dit. Non, je sais que tu ne lui as rien dit. Il allait repartir au poste. Il voulait prévenir son chef, man. Menteur. Écoute, Dan est mort, man. Qu'est-ce que ça peut foutre qu'il vienne le récupérer ou non? Il est dans la glace, alors il s'en ira pas. Il s'en ira pas, t'as compris? Là, je suis bloqué dans la boue, pas très loin de chez Madame Browning. Mais ça me paraît bizarre, ils n'ont plus d'électricité ni de téléphone. Elle a commencé à me parler d'un type qui se serait noyé dans le lac, mais son fils lui a dit de se taire. Il paraît qu'elle a bu beaucoup d'alcool. Son fils? Oui. Au début, je me suis demandé qui c'était, mais bon, il est resté avec elle. Il faut absolument arriver à démêler cette histoire. Je vais essayer de t'envoyer une voiture. Non, non, je peux me débrouiller tout seul. De toute façon, elle n'est pas dangereuse, elle est seulement un peu saoule. Bon, d'accord, mais tu me donnes des nouvelles dans 20 minutes. Téléphoner à la compagnie d'électricité. Bonne chance. Et ne joue pas au héros. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Il fait trop sombre dans cette maison, je vais allumer des bougies. Je t'en prie, man. Dan ne serait pas content de savoir que tu m'as traité de menteur. Comment est-il tombé dans le lac? Je te l'ai déjà dit, il avait trop bu, il a glissé non, sur le bord. Non, Dan n'avait pas bu! Qu'est-ce que tu as, man? Pourquoi tu me crois jamais? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu es malheureuse, mais moi aussi je le suis, man, parce que j'y étais, j'ai tout compris. Dan était vachement triste et il a bu de l'alcool parce que tu as été méchante avec lui, tu entends? Il était malheureux parce que tu voulais pas garder ton bébé! Pourquoi tu lui en as parlé? Tu m'avais pourtant promis de ne rien lui dire! C'est pas la peine de te mettre Pourquoi en colère! Tu lui as parlé du bébé! Je lui ai rien dit, je lui ai pas parlé du bébé! Tu es un menteur! Non, je mens pas, man! Alors n'essaie pas de me faire porter le chapeau, s'il te plaît! Dan s'est saoulé la gueule parce que toi, tu lui as dit que tu voulais pas garder le gosse! Comment tu as fait pour savoir que je ne voulais pas garder ce bébé? Je t'ai entendu, maman! J'ai très bien entendu ce que vous disiez hier soir! Je ne t'en veux pas du tout, ma petite maman. Tu n'as aucune raison d'avoir un autre gosse, tu sais. Il y a des gens qui sont pas faits pour élever des enfants. Oui, il faut voir la vérité en face. C'est toi qui m'as poussé dans les escaliers non et qui m'a fait ça. Grâce à Dieu, j'ai oublié tout ce que t'as pu me faire avant de me perdre. Et maintenant, t'as un petit bébé dans le ventre. Tu ne penses qu'à une chose, c'est à t'en débarrasser. Tu t'es jamais comporté comme une véritable mère. De quel droit as-tu osé te retrouver enceinte? J'arrête pas de penser au gosse que t'as dans le ventre, man. J'arrête pas de penser qu'il est là et que t'en veux pas. Et je me dis que c'est pas juste. Ce gosse-là, il a plus de bol que moi. Parce que tu m'as tué plus lentement que ça. Mais ne t'inquiète pas, maman. J'arriverai à survivre. Thank you.
Un enfant disparu est recherché pour le meurtre de ses parents. Qu'est-ce que tu as, maman ? Vigile camp ! Va-t'en ! Et où tu veux que j'aille, maman ? Va-t'en dehors, je te dis ! Mais tu n'as pas le droit de me chasser, maman ! Tu sais bien que je suis chez moi, t'as pas le droit de me chasser de cette maison ! Tu veux sortir ou non ? Il va venir d'un instant. Non, il viendra pas. Si, dans quelques minutes. Non, il viendra pas. Il viendra pas, il est parti. Tu n'es pas mon enfant, je t'interdis de m'appeler maman. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je suis sûre que tu ne viens pas de moi. Et qu'est-ce qui te fait dire que je viens pas de toi, maman? Tu as fouillé dans mes affaires, c'est vilain, maman. T'as fait ta petite enquête?
J'ai fait cramer la maison, maman et grand-mère et grand-père sont morts. Et ensuite, je me suis demandé pourquoi ils avaient tué John et Matt et pas moi. Et je me suis dit, c'est parce que c'est à moi de faire la justice. Mais après, je t'ai retrouvé et j'ai jamais voulu croire que t'étais méchante. Pour les parents de John, c'était différent. Eux, il fallait à tout prix que je les tue, ils le méritaient, mais toi, je t'aimais. Et j'avais besoin de toi, mais pas de Dan. Et pas de cette saloperie de gosse que t'as dans... Tu as voulu me tuer! Tu as fait exprès de me perdre! Tu m'as jamais aimé! Je sais pas, peut-être qu'il aime pas les camions. Bon, ah, allez, j'y vais. Hein. Qu'est-ce qui t'a pris de crier comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire de moi? D'après toi, qu'est-ce que je devrais faire, maman, hein? Allez, dis-moi, je t'écoute! Vas-y, dis-moi ce que tu mérites! Je vais te laisser encore une petite chance. Voilà ce que je vais faire, maman. Tu vas essayer de me prouver que tu peux être une bonne mère. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Je suis une bonne mère. Oh, et puis quoi encore? Non, mais écoutez-moi ça! Tu n'as jamais été une mère! J'appelle unité 7. J'appelle unité 7. Unité 7. Bon, alors qu'est-ce que tu fais? Tu réponds oui. Où est mon fils? Tu le connais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes, maman? Ils l'ont tué et après, ils t'ont enfermé au grenier. C'est moi, ton fils, maman. Allez, s'il te plaît, sois une bonne maman. Tu crois pas que t'as déjà perdu assez de temps? Tu vas me faire le dessert dont j'ai toujours rêvé, un bon gâteau au chocolat, d'accord? Et puis tu me raconteras des histoires. On mangera des cerises. J'adore les cerises. T'as des cerises, maman? Tu vas essayer de te rattraper à partir de maintenant! Je t'aime, Marc. Oh, voilà qu'elle m'aime. Non, je suis sûr que c'est pareil. Non, dis-moi, tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu vas répondre? Tu vas répondre! Non, je t'aime pas! Tu m'as jamais aimé, hein? Non! Pourquoi? Parce que t'es vachement méchante. C'est ça! Dis-le! Parce que j'ai toujours été vachement méchante.
et tu es condamné à mort. D'accord ? D'accord ? Toi et ton gentil moutard. Fais-moi un chocolat chaud. C'est chouette de faire plaisir à son gosse, hein? Tiens. Tu as du cacao? Allez, raconte-moi une histoire. Dis-moi comment j'étais avant que tu me perdes. Tu étais un bon petit garçon. Et alors? Tu étais très gentil. Et tout le monde te trouvait très gentil. Ton histoire préférée, c'était Hansel et Gretel. Je t'en lisais quelques pages tous les soirs. Et quand j'étais fatiguée, toi, tu disais, je vais te le lire, maman. C'était drôle. T'y arrivais bien, d'ailleurs. T'avais 3 ans et tu savais lire. Mais par la suite, j'ai eu la réponse. En fait, je te l'avais lu si souvent que tu connaissais toute l'histoire par cœur. Et tu as toujours été très intelligent, Marc. Dis-moi comment je suis tombée. J'ai regardé la télévision et pendant ce temps-là, t'es tombée dans l'escalier. Nous sommes allés à l'hôpital pour te faire soigner. Et à cause de qui tout ça? À cause de moi. Mais tu n'avais presque rien. Parle-moi de papa. Dis-moi comment vous étiez et pourquoi t'as pas refusé le jour où il a voulu te faire le petit Luc. Je l'aimais. Oui, mais lui, il t'aimait pas, hein? Tu l'as obligé à se marier, hein? Les mecs, ils font des gosses, puis ils partent au Vietnam. Il s'est sauvé parce qu'il voulait plus de toi, maman. Non, c'est pas pour ça qu'il est allé au Vietnam. Alors, il est venu à la maison, et quand il m'a vu, il m'a tout de suite aimé. Et toi, t'as été jalouse, hein? Non. Si, c'est comme ça que ça s'est passé, maman. Et c'est pour ça que tu m'as poussé. T'as voulu me tuer. Je suis tombé dans les escaliers. Tu as voulu me tuer. Ça s'est passé comme ça. Tu as voulu me tuer, maman. Vas-y, dis-le. Tu me détestais, t'as essayé de me tuer. J'ai essayé de te tuer. Je t'aime beaucoup, Marc. Et je te jure que je ferai tout pour toi. Mais laisse-moi avoir mon bébé. Pour Dan et pour moi. Je serai une bonne mère, je t'assure. Je l'aimerai lui aussi. Et vous serez tous les deux dans mon cœur. C'est trop tard, maman. C'est trop tard. Alors, tu m'as fait du chocolat chaud? J'espère que t'as des marshmallows, parce que j'adore les marshmallows. Oui, il y en a dans le frigo. S'il te plaît, remets-les en place avant qu'ils ne tournent. Je les trouve pas, moi. Cherche bien. Ah!
bon sang. T'es très forte, maman. Allez, vas-y, tue-moi. Vas-y, tire, puisque tu me détestes. Flingue-le, ton fils. Tu n'es pas mon fils. Ah! Tu vois que je suis bien ton fils, c'est la preuve, ça, non? Tu peux me faire du mal, tu peux m'abandonner, tu peux me jeter à la poubelle, mais tu es incapable de m'éliminer, par contre. Ah 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 Voilà maman qui se réveille. Oh. Ah. Dis, il faudrait peut-être que tu roupilles encore un petit peu. Oui, je pense que la vilaine maman doit dormir. J'aime mon enfant. Tu peux répéter, maman? J'aime mon fils plus que tout au monde. Oui, oui, tu as raison, maman. Quand j'étais à la clinique, j'ai prié le Seigneur. Je voulais bien mourir, mais je voulais qu'il épargne mon enfant. Quand j'ai perdu son père, j'ai mis tout mon amour dans le cœur de cet enfant. C'est pas la peine, maman. T'obtiendras aucune pitié de la part du jury, ni de la part de John, ni de la part de Matt, ni de la part de ton propre gosse. Thank you.
T'es prête, Ma? C'est la fin d'une belle histoire. Bah oui, tu vois, la marque de fabrique, elle fiche le camp. C'était bien imité, hein? Et ça a vachement bien marché. Allez, fais pas la tête, c'est pas grave, man. J'aimais bien que tu me prennes pour ton fils. Si tu veux, on peut encore faire semblant. Où est Luc? Est-ce que c'est le petit garçon qui s'appelait Mac? Faut pas m'en vouloir, moi. Je l'aimais beaucoup. J'en sais rien, moi. Qui je suis? J'ai jamais su mon nom, man. Je veux plus qu'on parle de ça. Et il faut que t'ailles dormir. Je suis sûr que t'oseras pas le faire. Tu peux pas. Je suis peut-être pas ton fils, mais je suis quand même quelqu'un.
allons, tout va bien, chérie. Je suis arrivée le plus vite possible, j'étais comme folle. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Le bébé. Ça va aller, t'en fais pas, ça va aller. Tu as vraiment été courageuse, Marie. Je suis une bonne mère. Oui, une très bonne mère.